like the girls with their nails done. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 sur Resident Evil Village. On avait fait un petit retour au village, exactement. Après avoir tué pas mal d'animaux, voilà, pour avoir de la nourriture pour plus tard. Et au niveau du stock de l'inventaire, on est commence à être blindé. Mais on est pas mal du tout. Donc, faut qu'on y aille retourner. Qu'on retourne voir le duc, parce que si on y a le retourner, ça veut rien dire. Rip à moi. Et il me semble qu'on avait tout fait parce que la clé ciselle pour l'instant ne l'a pas. Du coup, faut qu'on retourne ici au marchand. Je vais checker si on a rien oublié. Techniquement, non, on avait fini les puits. Voilà, ok. Bon, ce coup-ci, on se perd plus, on n'est pas paumé avec les histoires de clés ou je ne sais quoi, parce que ça va être compliqué. Ok, je commence déjà à faire nimp, on est mal barré. Ça sent le bordel, hein. C'est... voilà. Je suis paumé en ce moment, rip. Ce jeu me perturbe. Alors, avez-vous appris quelque chose? J'ai trouvé ça. Maintenant, dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve? Il y en a 4 au total. Vous en avez un, les autres nobles ont le reste. Noble. Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. 4 nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez, c'est Dame Dimitrescu. La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Donna Beneviento, elle fabrique des poupées. Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Le troisième est Moro, un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces eaux. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Ce qu'il y fait, disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. Et bah ça promet d'être violent, si je puis dire. Parce que Benvinto, c'est pas la porte d'à côté, c'est clair et net. Moro aussi. Et Heisenberg, c'est quelque part là-dedans. Et ça, c'était putain de l'ogre. Trésor de la rive. Arme du moulin à eau. Et la collection de Maestro. Si vous tenez vraiment à sauver votre fille, vous devez d'abord assembler les 4 bocaux. Comme vous m'êtes sympathique, j'ai marqué tous ces lieux sur votre carte. Ce village recèle encore quelques trésors. Je suis sûr qu'ils vous seront tous d'une grande utilité. Pourquoi vous faites tout ça? Disons que j'ai à cœur d'offrir un service de qualité à mes clients. N'hésitez pas à revenir me voir. Ouais, ça devient vraiment space ce jeu. Mais vraiment. Ah, la clé, yes. On va pouvoir aller chercher le premier trésor directement. Alors, la clé à 4L. Oh, il faut le fœtus dessus. Oh, la tête. Oui, il a une tête. Carte au trésor, photo de famille, collier de Louisia. Faudra faire un petit tour au marchand, voir à peu près ce qu'on a, mais techniquement, on ne devrait pas être trop mal. Jetez un coup d'œil, faites avec... Heureusement, vous êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité et apportez-les-moi. Ah, donc la cuisine. Poisson aux herbes.
Augmente légèrement la voie de vie. Effet permanent, effet permanent, effet permanent, d'accord. Ah, merci. Donc on peut lui donner comme ça et il les garde pour lui, c'est ça? C'est ça, on peut livrer et après on peut fabriquer une fois qu'on a ramené suffisamment de... D'accord, ça c'est cool. Ça nous fait de la place dans l'inventaire et ça évite... Parce que j'imagine tous les ingrédients, ça sera un peu le bordel. Alors en trésor du coup, on a ça, valeur, valeur... 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 Ça c'est combinable donc on va éviter. Et Tinours, on va le vendre. La chèvre aussi. Ah ah. J'ai de nouveaux articles pour vous, monsieur Winters. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Une valise qu'on peut encore augmenter. On prend ou pas? Allez, on prend. Félicitations. Avec ça, vous ne passerez plus jamais à côté de rien. Sniper. Un fusil M2. Réduit les tremblements de l'art visé, ça peut être pas mal. Allez. J'étais sûr que vous achetez. Hop, on dépense tarif. Et ensuite. Ne faites pas attention à moi. Oh, c'est vrai qu'il y a 1911. À la prochaine. Effectivement, c'est bien plus grand. On a que deux pistolets, des munitions pour réarranger tout ça. Désolé, ça met un peu de temps. Je m'en excuse. Avant de commencer cet épisode. Prochaine fois. Mais ça fait partie du let's play. Donc techniquement. La collection de maestro. C'est pas grave. Trouver les bocaux. Alors, je suis censé aller où? Ce qu'il me faut un fœtus. Donc je pourrais peut-être revenir sur mes pas, mais est-ce que ça aurait une utilité particulière? Non. Je ne sais pas où aller. Aurais-tu un indice? Ah bah c'est par là. Suffisait de demander. Du coup on s'engouffre vers de nouveaux horizons. Alors je suis désolé pour le son du jeu. Il est déjà à fond de mon côté. Je peux vous le montrer rapidement. L'audio est à 10 partout, donc je ne peux pas faire grand chose de plus. Pour une fois que les jeux sont plus forts. Oh, quand je dirige vers la fabricante poupée. C'est clair et net. Ah d'accord, il y en avait un dans... Ça marche. C'est glauque, hein. À gauche, à droite... Ça sent le petit truc de raccourci en mode j'esquive tout le monde, hein. Un marchand de poupées qui rend les poupées vivantes. Quelque chose me dit qu'on va se casser la tronche. Même pas.
meurt. Hein. Ethan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mia ? Qu'est-ce qui se passe ? Une vision de Mia. Je pense que Mia n'est pas morte. Avec toutes les balles qu'ils lui ont mises. Fermé. Rose a l'air différente. Ah bah normal. Ethan, tu dois faire quelque chose. elle est vachement. Elle est très différente, Rose. Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Je ne peux pas être seule. C'est pas réel. Désolé pour les retours de cartes parce que j'étais perdu. C'est pas réel, mais si tu les vois. Bon. Hop. Ça, c'est pour la miniature. Je deviens fou. Mais non. Abandonne tes souvenirs. La photo de famille. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais pu mettre totalement autre chose. Lumière, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais c'est vraiment sombre. Ah, je suis nerveux. Viens avec moi, Ethan. Je sais lire l'anglais parfaitement, 100%, c'est bon. Par contre, on monte jusqu'à où comme ça? Ah. C'est encore un effet waouh ou pas un effet waouh? Un effet waouh, effectivement. Hop, voilà, on s'arrête quelques secondes. C'est pour les miniatures. Vous savez, ça me fait penser un peu au film d'horreur. Il n'est pas très connu, une maison comme ça, près de la mer. Et elle ressort beaucoup. Elle ressemble beaucoup. Oui, parce que je dis, elles sont passées mes armes, quand même. S'il vous plaît. Ça a l'air d'une sacrée maison. Petite terrasse. Et la lumière, s'il vous plaît. Vous allez rien voir, mais moi je vois pas grand chose non plus. Et si rien là, on y va. Il pousse des cris énormes, il porte elle pèse combien de tonnes? Et on part vers la droite. Fermé. Comme ça c'est fait. Bonjour. Ah, super portrait. Je sens que la petite poupée va nous faire des belles peurs. Hein. Une belle peur bleue. Ok. Je sais pas où est-ce qu'on peut aller, si on va à l'étage ou non. Ah,
Qu'est-ce qu'on a là? Des bobines de film. C'est plutôt sympathique, quand même. L'extérieur était plutôt flippant, mais... Oula. Effectivement, d'un seul coup... C'est moins vétuste. Rien ici. C'est fermé. Il y a l'autre entrée. Hein. Ça, j'imagine que c'est la suite. Allez, on va courir un peu. Alors, qu'avons-nous au hall d'entrée? Fermé ici. Fermé là. Fermé ici. C'est fermé partout. C'est très très silencieux tout ça. Bon, à part nous faire ouvrir des placards et qu'il n'y a rien dedans, c'est quoi l'utilité? La chambre. La chambre. La chambre d'amis. Bon, il y a quelque chose dans cette pièce. Mais où est donc cette petite... ce petit truc? D'entrée, la pièce est en rouge. Ah, j'ai plus de couteau, c'est vrai. Enfin, j'ai un couteau, mais on peut le sortir pour pas grand chose. En fait, je ne sais pas. Apparemment, il y a quelque chose. Bon, petit tour fini. Oulala. Le temps passe vite. Donc on monte. On monte l'ascenseur, on prend notre ascenseur, on descend. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est sombre ici? Alcaloïde des plantes de montagne. Fermé. Il y a quelque chose dans la pièce là, tu déconnes. Tu déconnes. Il y a quelque chose dans cette pièce. Non mais tu déconnes. Y'a rien à récupérer. Tu me saoules.
Tiens, je casse ce mur. Il y a quoi à récupérer dans cette pièce? Le jeu il me troll, c'est un troll. Cherchons pas à midi à 14h, y'a rien. Donc j'ai récupéré, y'a rien du tout à récupérer. C'est de la connerie. Ouais. Sauf que c'est la vraie poupée. C'est quel type de clé? On va voir le 5B, c'est avec une petite fleur. Non. Voyons voir. On peut sauvegarder carrément. Profitons-en. Avant que ça dégénère. Bon, toi tu es vivante normalement. Allez, elle a disparu. Où est mon arme? Ah, je suis à... Ah, je suis à poil. Je suis à poil. Pourquoi il y a une photo de Mia morte? C'est quoi ces conneries? Est-ce que ce mannequin... Seigneur. Il y a quelque chose pour couper les bandages. Faut pas les arracher à la main. Mais tu peux mettre... Non mais, tu peux pas arracher les mains, tu peux pas mettre le doigt dans la bouche. Interagir. Oula, il y a des vagues cheloues. Mon dieu. La clé de remontage. Oh. Ça sent le bail chelou, hein. Dis-moi si Mia était un mannequin depuis le début. Alors, opération, bonjour. Ça va aller, Mia, on va se sauver. Du coup, on a une clé en argent. Oh, un coup de pied, t'as vu ça? Elle est pleine d'énergie, c'est dingue. Et qui est-il dans cette pièce du coup? Il manque bien quelque chose, effectivement. Ouais, c'est un épisode très très silencieux. Tu bouges pas le mannequin, hein. Ok.
Petit clin d'œil à les recettes. Ok. Inspectons, inspectons. Soin de sauvegarde, porte scellée. Allez, vas-y, passe. Il me faudra un outil pour le saisir. Y a pas d'outil. Lavabo, quelque chose dans le lavabo. J'entends des bruits, hein. Ensuite, mannequin et porte scellée. Oh mannequin, si tu savais. Non, je ne sais pas. Il faut, oui, il faut une pince, ça me semble logique. Une pince, une pince, une pince. Il faut un code. Mais ça, c'est celui-là. Et l'autre, c'était quel, celui dans l'œil? Ah, c'est une énigme, on est en pleine énigme. Et celui qui vole, hein. Donc j'avais bien raison, celui qui vole. Que faire? Que faire? Que faire? Je suis bloqué ici. Je n'ai pas besoin d'interagir avec le bras. On va retourner par là. J'ai certainement oublié quelque chose. Non, non, non. Il n'y a pas mon reflet. Il est où le reflet là? Et ouais, puis l'autre côté. Cadenas, combinaison, mannequin, mannequin, mannequin. Oh, 05, 29, 11. Alors, 05.
29. 11. Ça marche. Alors, bah oui, on va suivre les esprits. Je sens qu'il va y avoir une partie de cache-cache, un de ces quatre. Qu'est-ce que ça fait là? Attends. Attends. Parce que si au tout début du jeu on a joué la musique, comment c'était? Donc on aura quoi de se planquer, ça c'est clair. Non mais comment tu veux deviner ce... Quelque chose n'est pas à sa place, mais tu fais t'aider quoi pour un indice. Ah, cette boîte à musique est un souvenir de ma vie avec Ethan. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. Il y aurait eu 2 milliards de fake. Ah, avec l'écran, d'accord, je viens de comprendre, il y a des crans. Ok, mettre l'écran à leur place. Ça a l'air d'être pas mal comme ça. Non. Pour moi, avec l'écran, c'était pas mal. Là, ça a l'air d'être bon. Apparemment non. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Ça va là, ça va là. Celle-ci elle va là. Ça va là. Ok, c'est bon. La pincette. Attends, mais c'est qui va surgir du coup, la poupée ou la dame? T'es avec. Taratadam pam pam palam. Alors, au moins le tableau est droit. The Conjuring 3. C'est clairement ça. Alors la pincette. Hop, une main invisible vient la choper. Oh, ok, d'accord, Mia n'est pas morte. Je pense qu'elle n'est pas morte. Elle avait des choses à nous dire. C'est ce qu'elle avait vu dans le rêve avant le massacre. Du coup, elle a une bobine de film. Ok.
que je suis censé faire avec ça du coup? Morceau de pellicule trouvé dans la bouche d'un mannequin. C'est une ours. Je pense que je n'ai rien à faire ici. Vous savez, je tourne l'épisode, il est 23h du soir. Je dois vous dire que... ça commence à craindre vénère. Je n'ai rien à faire ici. Ah, c'est ça, le fameux truc de la salle rouge. Tu peux ressortir. Donc là, il y a des trucs pour se planquer. Je sens que ça va être la fiesta, mais vraiment vénère. Bon, pour pas tourner sur ces temps, je pense que la suite est dans la pièce... là-bas. C'est pas rassurant. Hein. On va sauvegarder. Bon, ça, vous voyez l'heure. Hein. Il est 22h53. Voilà. Alors. Ça, on va laisser ouvert. Donc, le tableau électrique, le mannequin. Et la porte scellée. Qu'est-ce que je ferais? Moi, je regarderais ça, bien sûr, sur un truc pareil, mais... il n'y a pas. Pas là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire avec ce bras? Rien de spécial. Attends, je regarde en dessous, hein. Voilà. Ici, on n'a rien. Clairement, il y avait Mia qui était partie par là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est revenu par là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça, c'est des bouquins. Il n'y a strictement rien ici. Hein. Ah si. Alors, souvenir de la famille. Le meilleur ami de Rose. Elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous. Un cadeau de mariage offert par notre grand-mère. La preuve de l'amour éternel d'Ethan pour moi. Ah d'accord, dans l'ordre. Meilleur ami de Rose. Elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte pour nous. Un cadeau de mariage offert et la preuve de l'amour éternel. Alors, le ours. Amour éternel. Et après. Aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous. J'arrive pas à mettre en situation. Elle aime beaucoup cette histoire, donc elle aime beaucoup cette histoire, voilà. Ce qui compte plus pour nous, c'est Rose. Que notre mariage va faire par notre grand-mère. C'est bon, elle a preuve de l'amour éternel, c'est bon. Ok. Il va y avoir un screamer, hein.
Alors, c'est dans un puits. Apparemment. D'accord. Avec un perso qui bouge, tu tombes dans ce puits. Non, bah apparemment il n'y avait rien de tout ça. Pourtant il faut une lumière quoi. Ah ah, il y a des poupées partout, là c'est glauque. Un ciseau. Bonjour petite poupée. Alors, aïe. Décrochons le téléphone. Il n'y a personne sur le téléphone. Ah, maintenant il y a quelqu'un, lol. Tu parles. Je vous aime tous les deux, tellement fort. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je le fasse. Très très bizarre tout ça, très très bizarre. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 8. On va continuer l'enquête pour l'épisode numéro 9. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé de vous quitter comme ça, c'est que l'épisode dure déjà pas mal de temps. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche pour les nouveaux et poursuivre les aventures. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.